number two. Ah, il faut revenir, il faut reconstruire, ils sont en place défensivement. Avec David qui redouble avec Para pour Viazzo. Viazzo, ouais, passe en avant, passe en avant. En avant, et par contre, un petit plaquin à Clermont. Ouais, dans ce sens-là, on le voit beaucoup mieux. Hein, beaucoup mieux, avec la volonté, la course de Lowe's qui va vraiment chercher définitivement Morgan Para alors qu'il sait qu'il a passé ce ballon. Il n'arrête pas sa course, il y a vraiment intention de faire mal. De faire mal. On va ça au ralenti. La passe est faite. Ouais. Ouais, c'est Lowe's qui vient le plaquer. C'est limite. Le plaquage est un peu haut. Il était dans le mouvement. Par contre, le choc est sévère. Les sprints ne sont pas échauffés comme ils le sont actuellement. Voilà, ouais, c'est Lowe's qu'on est venu chercher. Pas grand chose à dire, hein, malheureusement, sur ce geste. Non. Donc. Ça aurait pu être jaune, c'est rouge. Hampton aujourd'hui, Boyer qui écarte avec David, Diazzo, position difficile. Et on vient le plaquer, voilà, ça c'est pénible. Ouais, une nouvelle fois, ça c'est pénible. Exactement. C'est l'OS encore. Exactement. Exactement, et c'est un geste extrêmement dangereux. Et je pense qu'il va le sortir aussi. Red card pour monsieur l'OS peut-être. Je pense qu'il va le sortir aussi parce que c'est un geste très dangereux. Ça peut être pour l'ensemble de son œuvre. Leave it. Ouais. Voilà, l'OS mérite le carton rouge également. Ce sera simplement qu'une pénalité, alors que c'est aussi dangereux, hein, à partir du moment où le joueur est relâché, il ne fait plus action. L'OS, voyez pour Nicolas. Ouh là là, le plaquage de Vigneault sur Vigneault là. Ouais, c'est vers plaquage. Ouais, c'est Lowe's qui vient de nouveau mettre ses tampons. Là, parfaitement régulier. Hein.